Je suis Agnès Borrelli, artiste peintre installée à Houston. Je suis arrivée à Houston il y a 3 ans, après une année un petit peu périlleuse au Venezuela, donc un peu arrivée en catastrophe. Mais j'ai eu la chance de m'installer à Sawyer Yard sur ce campus d'artistes et trouver un atelier et travailler et rencontrer des artistes ici. Ce qui m'a donné l'opportunité de rencontrer des galeries, c'est de pouvoir exposer dans cette belle galerie de Barbara Davis sur Montrose Boulevard. Pour cette exposition, je propose que du travail sur papier. Je fais aussi de la peinture sur toile, acrylique sur toile. Mais là, on a choisi avec Barbara de faire une exposition un petit peu plus de dessin, un petit peu plus légère. Je construis mes images avec la matière, puisque mon travail est abstrait. Abstrait, mais paysager. J'aime bien dire qu'il essaye d'être un petit peu surréaliste. Je cherche ce que je ne trouve pas, et je trouve ce que je ne cherche pas en général. Donc en fait, je manipule beaucoup le matériel pour trouver de la matière, pour trouver des effets de couleurs, d'harmonisation de couleurs. Et avec ce matériel de base, j'essaye de trouver une dynamique dans chaque image et de construire une image qui tient, qui me donne une satisfaction. Et j'essaye de dire des choses comme soit de la légèreté, soit de l'opacité, soit un petit peu de lourdeur dans un coin du tableau pour donner une dynamique. Je joue beaucoup quand même sur la dynamique, sur une recherche d'harmonie, et je suis guidée quand même majoritairement par la couleur. La couleur, je la traite de façon très instinctive, par des envies, et c'est ça qui me guide a priori.